Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous présente le chausson qui va avec le bonnet que vous avez déjà le tuto qui est sur la chaîne avec l'écharpe qui est aussi sur la chaîne. Donc l'écharpe, le bonnet, et là ça sera le chausson botte parce que c'est assez haut qui va compléter le petit ensemble. Je vais vous expliquer tout pas à pas comme à son habitude. Donc là, moi, c'est le restant de laine que j'avais pour l'écharpe et le bonnet. Le chausson, c'est donc moi je l'appelais chausson framboise. Donc le point, c'est point framboise, point bulle. Tout dépend des régions et du pays, comment on l'appelle. Donc voilà. J'ai fait quelques recherches et la majorité des pays étrangers l'appellent framboise. Voilà. La taille, c'est du 12-18 mois. L'aiguille droite, 3,5. De la laine, 3,4. Peut-être un peu loin. Voilà. On monte 41 mailles et on fait un rang en droit. On attaque la semelle. OK? Donc moi, j'ai monté mes 41 mailles et j'ai fait un rang tout à l'endroit. Donc, j'ai fait ceci, 41 mailles, un rang tout à l'endroit. OK. On va prévoir, hop, des marqueurs. Et 4. 2, 3, 4, c'est ça. 4 marqueurs pour pas se perdre en fait dans les explications. On va faire le premier rang de la semelle. Donc c'est une maille à l'endroit, une augmentation, 19 mailles à l'endroit, une augmentation, une maille à l'endroit. Une augmentation, 19 mailles à l'endroit, une augmentation et une maille à l'endroit. Le rang suivant, c'est tout à l'endroit. OK? Donc, on commence par une maille à l'endroit. Une maille à l'endroit. Une augmentation. Donc, en fait, et je passe en dessous. Ça fait une augmentation. Après, vos augmentations, vous les faites comme vous voulez, hein. Moi, je vous montre seulement ce que je fais. Une fois que j'ai fait mon augmentation, je tricote 19 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, hop là, 16, 17, 18 et 19. Je mets un marqueur. C'est-à-dire que ici, les 19 mailles qu'on a tricotées, il y aura toujours 19 mailles. D'accord? Là, je fais une augmentation. Je tricote une maille. Une augmentation. Je mets un marqueur.
Et là, je retricote 19 mailles. Toujours à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Je mets le marqueur et je fais une augmentation. Et je tricote une maille. Ok ? Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail et on fait un rang tout à l'envers. Tout à l'envers, n'importe quoi, tout à l'endroit. La semelle se tricote que avec des mailles à l'endroit. Je fais le rang avec vous. Hop. Et je vais vous montrer la semelle sur le chausson pour vous donner une idée de ce que l'on est en train de faire. Un marqueur, hop. Bon, je ne vais pas vous faire le rang à chaque fois tout à l'endroit. Hein. C'est vraiment juste pour vous montrer là que vous comprenez bien. Il n'y a rien de... C'est juste un rang tout à l'endroit. D'accord? Alors, hop. Ici, sur le chausson, en fait, vous allez voir, ça part comme ça. Hop, c'est les augmentations qu'on fait ici. En fait, quand vous avez des aiguilles droites, vous ne pouvez pas le faire, mais pour que vous compreniez bien, en fait, on tricote comme ça. En fait, les augmentations ici, c'est ici. Et les augmentations ici, c'est ici. Qui permet de former, en fait, la semelle du chausson. Ok ? Une fois qu'on a fait ce rang tout à l'endroit, on va faire 2 mailles à l'endroit. Une augmentation, 19 mailles, une augmentation. Comme on a fait ici, donc, ça nous fait un total de 3 mailles qu'on retrouve ici, une augmentation. 19 mailles, une augmentation et on termine par 2 mailles. Ok ? Et le rang tout à l'endroit qui suivra après les augmentations. Donc, hop. Oui, j'ai pas mis dans le bon sens, bien évidemment. Hop. Du coup, on a dit 2 mailles. 1 et 2. Ok. Une augmentation. Qu'on a fait notre augmentation, on passe le marqueur. 19 mailles, ça bouge pas. On aura toujours les 19 mailles à cet endroit-là.
je passe un marqueur, une augmentation, je tricote les trois mailles, 1, 2, 3, une augmentation, je passe mon marqueur et je tricote les 19 mailles. Je passe mon marqueur, c'est là que je fais une augmentation et on termine par deux mailles à l'endroit, 1 et 2. Ok. Une fois que j'ai fait ça, on tourne notre travail et on tricote le rang tout à l'endroit. L'augmentation qu'on a faite. Hop. Et on continue comme ceci. On se retrouve une fois que vous avez fini le rang tout à l'endroit. Une fois qu'on a fait le rang tout à l'endroit, on reprend 3 mailles à l'endroit, l'augmentation, 19 mailles, augmentation, 5 mailles. Augmentation, 19 mailles, augmentation, 3 mailles, 3 mailles. Et on tourne notre travail et on fait un rang tout à l'endroit. Hop. Et du coup, une. Deux, trois mailles, une augmentation. Une fois qu'on a fait l'augmentation, on passe un marqueur et on tricote les 19 mailles. On a tricoté les 19 mailles, on passe le marqueur, on fait une augmentation et on tricote les 5 mailles qui sont au milieu. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on fait une augmentation. On passe le marqueur et on tricote les 19 mailles. Je regardais ce que je faisais aussi. Dix-huit et dix-neuf. Une fois que j'ai fait ça, je passe mon marqueur. Et je fais une augmentation. Et je tricote les 3 mailles. 1, 2 et 3. Je tourne mon travail et je fais le rang tout à l'endroit. Passe le marqueur et je continue mon rang. On se retrouve une fois que vous avez fini le rang. Une fois qu'on a terminé notre rang, on est ici 4
mailles à l'endroit, l'augmentation 19 mailles, augmentation 7 mailles, augmentation 19 mailles, augmentation 4 mailles. Et on tourne notre travail et on fait un rang tout à l'endroit. Hop. Donc, 1, 2, 3 et 4. Une augmentation. Une fois qu'on a fait notre augmentation, on passe le marqueur, on tricote les 19 mailles. On passe le marqueur et on fait une augmentation. On tricote, nous avons 2, 4, 5, 6, 7 mailles au milieu. Une augmentation. On passe le marqueur. Et on va tricoter les 19 mailles, comme tout à l'heure. On passe le marqueur et on fait une augmentation. Une fois qu'on a fait notre augmentation, on tricote les 4 mailles. Une fois que le rang est fini, on tourne notre rang, notre ouvrage. Et on tricote tout le rang à l'endroit. Et on se retrouve une fois que le rang fini. Une fois qu'on a fini notre rang tout à l'endroit, nous allons attaquer le dernier rang, 5 mailles à l'endroit, une augmentation, 19 mailles, une augmentation, les 9 mailles, une augmentation, 19 mailles, augmentation et 5 mailles. Et on tourne notre travail, le rang tout à l'endroit. Hop. Soup. 2, 3, 4, hop là, et 5. Une augmentation. On passe le marqueur. On tricote les 19 mailles. Passe un marqueur, ici une augmentation. Une fois que l'augmentation est faite, on tricote les 9 mailles du milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une augmentation. On passe le marqueur. Une fois que c'est marqueur passé, on tricote les 19 mailles comme tout à l'heure.
si je sors du cadran, ça va plus le faire. Je passe le marqueur. Je fais une augmentation. Une fois que mon augmentation est faite, je tricote les 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Je tourne mon travail et je fais un rang tout à l'endroit. Hop. Et ce rang tout à l'endroit, on peut enlever les marqueurs. 1, 2, 3, 4, 5, hop, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hop. Pardon, 25, 26. Hop. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55, hop, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 mailles. Moi, j'ai obtenu 61 mailles une fois que j'ai fini ma semelle. Voilà. Ma semelle est finie. Maintenant, on va tricoter 8 rangs tout à l'endroit. Alors, mon fil de démarrage, il est où? Hop. Mon fil de démarrage est de ce côté-ci. OK. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça veut dire qu'il me manque 4 barres. Donc, je tricote 8 rangs tout à l'endroit et en tout, 10 barres. J'obtiens 10 barres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Une fois que vous avez obtenu vos 10 barres, de points de barre mousse, on se retrouve.
Revoici, j'ai vidé le téléphone. Du coup, on fait les deux rangs que je vous ai expliqués. Donc, maille lisière. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Ici, on a la petite échelle, une maille à l'endroit. 9 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'endroit. 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop là, et 9. Une maille à l'endroit. J'ai dit à l'endroit. On est reparti, 9 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'endroit. 9 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'endroit. Et on finit par 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Et une maille à l'endroit pour la maille lisière. On tourne notre travail. Hop. Et on continue. Une maille lisière. On a dit 2 mailles à l'endroit. 1, 2. Une maille à l'envers. Et 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'envers. 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'envers. 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 et 9, une maille à l'envers. On est reparti, 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, une maille à l'envers. 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, une maille à l'envers. À l'endroit, 9 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et une maille à l'endroit. Maille lisière. Une fois qu'on a fait ça, on tourne notre travail. Et là, on va décaler notre motif. Oh, bien sûr, j'ai fait des paquets de nœuds en voulant pousser ma laine. Hop. Voilà ce que ça donne en fait. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 motifs. Ok? Là, on va stopper le motif là et on va le décaler sur la petite échelle qui est là. Ok? Pour cela, ici, maille lisière, 2 mailles à l'envers. Hop.
tu dis deux mailles à l'envers. 5 mailles. 5 ensemble. 2 mailles à l'envers. Et 5 fois. Donc les 2 mailles à l'envers. Et ici où il y a l'échelle, c'est 5 fois la même maille. 2 mailles à l'envers. 5 ensemble. Et on continue jusqu'à la fin. Hop. C'est ici. J'ai pas marqué la fin du rang. Hop. Du coup, maille lisière. Ok. Deux mailles à l'envers. Une et deux. Ici, on prend les 5 mailles. Hop. Et on les tricote comme ceci. Ou si vous avez fait l'écharpe ou le bonnet, je vous explique comment faire avec un crochet aussi. Deux mailles à l'envers. Une et deux. Ici, c'est mon échelle. 5 fois. Une, deux, trois, quatre et cinq. Deux mailles à l'envers. Une et deux. 5 mailles ensemble. 2, 3, 4, 5. Deux mailles à l'envers. Une, deux. 5 fois la même maille. Une, deux, trois, quatre. Et je retourne dedans, ça fait 5. Deux mailles à l'envers. Une et deux. 5 mailles en une. 3. 5 mailles ensemble. 3, 4, 5. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, deux mailles à l'envers, une et deux. 5 fois la même. Une, deux, trois, quatre et cinq. Deux mailles à l'envers, une et deux. 5 mailles ensemble. 2, 3, 4 et 5. Deux mailles à l'envers, une et deux. 5 fois la même. Une, deux, trois, quatre et cinq. Deux mailles à l'envers, une, deux, 5 mailles ensemble. 2, 3, 2, 3, 4 et 5. Deux mailles à l'envers, une et deux. 5 fois la même. Une, deux, 3, 4 et je retourne dedans, ça fait 5. Deux mailles à l'envers et 5 mailles ensemble. 2, 3, 4, 3, 4, 5. Deux mailles à l'envers, une et deux. Et ici, 5 fois la même, une, deux, trois, quatre et cinq. Deux mailles à l'envers, une et deux. Et ici, une maille lisière. Une fois qu'on a fait ça, voilà ce que ça fait. Tourne notre travail. Hop. On fait une maille lisière. D'accord? Et ici, on fait une, deux, trois, quatre. 5, 6, 7, 8 et 9. 9 mailles à l'endroit. Une maille
à l'envers, 9 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, pop, 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 pop. Et j'ai dit une maille à l'envers. 9 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et la dernière qui fera 9. Une maille à l'envers. 9 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'envers. 9 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'envers. 9 mailles à l'endroit, 1 et 2. 3, 4, 5, 6 et 7. 8, 9, une maille à l'envers. 9 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 1, 2 et ma maille lisière. Donc on finit par 2 mailles à l'endroit. Voilà où nous en sommes. Ce qu'on vient de faire, on est ici. On a fini par 2 mailles à l'envers. Donc ça veut dire qu'on commence par 2 mailles à 2 mailles à l'endroit. Donc on commence par 2 mailles à l'envers. 9 mailles une maille à l'endroit, 9 mailles à l'envers, 2, 1, je sais pas pourquoi je vais aller sur 2 moi, à l'endroit, poup, 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 et on doit finir par 9 mailles à l'envers. On répète ce qu'on a fait ici. Ok. Du coup, j'ai dit une maille lisière. Ici, on a 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Une maille à l'endroit. 9 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'endroit. 9 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'endroit. 9 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On fait une maille à l'endroit. 9 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 et 9. Une maille à l'endroit. On recommence à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'endroit. À l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et ma dernière, une maille lisière. Voilà. Donc vous avez compris qu'on est en train de faire ceci. De là, on tourne notre travail. Et on répète. Une maille lisière. 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, à 7. Décidément, 8 et 9. Une maille à l'envers. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 et 9. Une maille à l'envers. On est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 mailles à l'endroit et une maille à l'envers. Et on finit par 2 mailles à l'endroit. Hop. Hop. Donc là, on vient de faire 9 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Poup, 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 poup. Et on finit par 2 mailles à l'endroit, la maille lisière. Donc ça veut dire 2 mailles à l'envers, 1 maille à l'endroit, 9 mailles à l'envers, 1 maille à l'endroit, poup, 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 pour finir avec 9 mailles à l'envers. Ça, c'est ce qu'on vient de faire. Et maintenant, on va faire ceci. Ok ? Si je coince pas mon fil et ma pelote de laine, ça serait bien. Hop. On est reparti. Donc une maille lisière. 2 mailles à l'envers. 1 maille à l'endroit. 9 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 1 maille à l'endroit. 9 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8 et 9. Une maille à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'endroit. On est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on termine par une maille lisière. Dans notre travail. Une maille lisière. Et là, on repart sur 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et une maille à l'envers. Hop. Maille lisière. 9 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, 9 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, pop, 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 et on va finir par 2 mailles à l'endroit et la maille lisière. Hop. Du coup, à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'envers. On repart. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'envers. 2 mailles à l'endroit. 1, 2 et la maille lisière. Je tourne mon travail. Et là, nous avons fait le deuxième motif. Pour vous repérer, pour savoir si vous avez fini votre motif ou pas, en fait, hop, ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 V. 1, 2, 3, 4 et 5. Si vous avez les 5 V là, ça veut dire que votre motif est fini. Donc là, on va réduire ici. Alors, on va commencer par une maille lisière, 2 mailles à l'envers, 5 fois la même maille, parce qu'on remet le motif là, on va le remettre ici. On va faire un troisième motif. Hop. Donc, on repart sur, on a dit maille lisière, 2 mailles à l'envers. 5 ensemble, 2 à l'envers, 5 fois la même maille,
2 à l'envers et on continue jusqu'à la fin. Je vous mettrai la fin après parce que je ne l'ai pas de tête. Hop. Donc on décale le motif, on le stoppe et on le rajoute à côté, on le déplace. Maille lisière, deux mailles à l'envers, une et deux. Je veux que mon motif soit là, donc cinq fois la même. Une, deux, trois, quatre et cinq. Deux à l'envers, une et deux. Et ici, je veux plus du motif, je le stoppe. Donc je fais 5 mailles ensemble. Soit avec l'aiguille, soit avec le crochet. Suivant comment vous êtes habile. Je n'ai pas mon crochet assis. Je vais vous le montrer quand même. Donc j'ai dit... deux mailles à l'envers, une, deux. Je veux que le motif soit ici, cinq fois la même. Une, deux, trois, quatre et cinq. Deux mailles à l'envers, une, deux. Ici, alors je vais vous le faire avec le crochet. Cinq mailles. Alors, une, deux, trois, quatre et cinq. J'attrape mon fil et je le passe dans les 5 mailles. Et je le mets en... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai senti que j'ai perdu une maille. Parce que j'ai flouté. Alors, hop, hop, hop. Hop. J'ai senti une résistance quand j'ai passé le crochet. Et pourquoi ça? Oh, mais c'est ça. Alors, à l'envers. Je recommence. C'est bien ce qui me semblait que j'avais perdu une maille. Une, deux, trois, quatre, hop là, et cinq. J'attrape et je passe dans mes mailles. Vous ne le perdez pas. Hop. Vous venez le remettre sur votre aiguille. Deux mailles à l'envers. Une et deux. Hop. Je voulais vous remontrer comment faire avec le crochet. Cinq fois. Une, deux, trois, quatre et cinq. Deux à l'envers. Une et deux. On refait cinq mailles ensemble. Trois, quatre. Deux, trois, quatre, cinq. Après, chacun fait comme il le souhaite, soit l'aiguille, soit au crochet. Deux à l'envers, une et deux. Cinq fois la même, une, deux, trois, quatre et cinq. Deux mailles à l'envers, une et deux. Cinq mailles ensemble, trois, quatre et cinq. Hop. Deux mailles à l'envers, une et deux. Cinq fois la même. Une, deux, trois, quatre et cinq. Deux fois, deux mailles à l'envers. Une et deux. Cinq mailles ensemble. Trois, quatre. Trois, quatre, cinq. J'ai dit cinq. Hop. Deux mailles à l'envers. Une et deux. Cinq fois la même. Une, deux, trois. 4 et 5. Deux mailles à l'envers. 1 et 2. 5 mailles ensemble. Zoup. 2, 3, 4, 5. Et on termine par 2 mailles à l'envers. Et la maille lisière. Hop. 2 mailles à l'envers, la maille lisière. Ici, hop, on tourne. Ça veut dire maille lisière. On est là. Ici, deux mailles
à l'endroit, maille à l'envers. Et là, on va tricoter 9 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. Poup, 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 poup. On est là. C'est le dernier motif. On n'en fait que 3 pour la hauteur. Après, si vous voulez faire plus, vous en faites plus. Donc, j'ai dit maille lisière. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Une maille à l'envers. 9 mailles à l'endroit. 1, 2. Hop. 3. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'envers. 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'envers. 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'envers. 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Ah, mais c'est pas possible. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'envers. Donc, 9 mailles à l'endroit. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, une maille à l'envers, à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, et une maille à l'endroit. Maille lisière. Donc j'ai dit qu'on finissait par 9 mailles à l'endroit, la maille lisière. Donc ça veut dire 9 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 9 mailles à l'envers, et on finira par 2 mailles à l'envers, la maille lisière. Hop. On est reparti. Bon. Je vais peut-être recharger la batterie. Donc, on est reparti. J'ai été vider la mémoire du téléphone. Donc, on a dit une maille lisière. Hop. Et 9 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'endroit. 9 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'endroit. À l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'endroit. 9 à l'envers.
Hop, encore une. Une maille à l'endroit. À l'envers. À l'endroit. À l'envers. À l'endroit et à l'envers, les deux mailles et une maille à l'endroit pour la maille lisière. Je tourne mon travail et là, hop, on fait deux mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 9 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, pop, 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 pop. On finit par 9 mailles à l'endroit, la maille lisière. Ça, c'est ce qu'on va faire. Et 9 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 9 mailles à l'envers, pop, 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 2 mailles. Je vous mets les deux rangs à suivre de ce qu'on va faire. Donc là, on est là. Et le rang qui va suivre, ça va être celui-là. Hop. Hop. Donc on a dit maille lisière, deux mailles à l'endroit, une et deux, une maille à l'envers, à l'endroit les 9 mailles, une maille à l'envers, 9 mailles à l'endroit, une, deux, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'envers. 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'envers. 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, une maille à l'envers, 9 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, une maille à l'envers, 9 mailles à l'endroit, 1, 2, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on termine par une maille lisière. Hop, on tourne notre travail. Du coup, on commence par une maille lisière. Moi, je n'ai pas noté. Maille lisière. 9 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'endroit, à l'envers. À l'endroit. Et on repart sur 9 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'endroit. À l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'endroit. À l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
et 9, une maille à l'endroit. Et on repart sur les mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, une maille à l'endroit. Et on finit par 2 mailles à l'envers, puis la maille lisière. Ok. Du coup, ça nous fait 1, 2, 3, 4. Il nous reste encore un rang à faire. Hop. Zoup. Maille lisière, 2 mailles à l'endroit, 1 maille à l'envers, 9 mailles à l'endroit. Une maille à l'endroit, pou, 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 et on finit par 9 mailles à l'endroit et la maille lisière. Le dernier rang. Zoup. On a dit une maille lisière. Deux mailles. Oui, ça, deux mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'envers. Et on repart sur 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'envers et 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'envers, 9 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9. Une maille à l'envers, à l'endroit. 9, à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille à l'envers et 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, ah bon alors, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on termine par une maille. Pourquoi je l'ai faite à l'envers? C'est une maille lisière. Hop. Hop. Je tourne mon travail et on a fini notre troisième motif. 1, 2 et 3. Donc on a bien 1, 2, 3, 4 et 5. Comme je stoppe le motif, du coup, ça veut dire que là, je fais une maille lisière, deux mailles à l'envers, et ici, cinq ensemble, deux mailles à l'envers, une à l'endroit, deux à l'envers, et cinq ensemble, pop, pop, pop. Et on finit par 2 à l'envers, maille lisière. Ça, c'est le dernier rang, la finition du motif. Hop. Du coup, j'ai pas mis de couleur dans mes explications. Donc, on a dit maille lisière. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Ici, on stoppe le motif. 5 mailles ensemble. 3, 4 et 5. 5 mailles ensemble. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. 1 maille à l'endroit. 2 mailles à l'envers. 1, 2. Et ici, on fait 5 mailles ensemble. 3, 4, 5.
deux mailles à l'envers, une et deux, une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers, une, deux, ici, cinq mailles ensemble, trois, deux, trois, quatre et cinq. J'ai pris quelque chose qui ne m'appartenait pas. Deux mailles à l'envers, une et deux. Une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers. Cinq mailles ensemble. Trois. Un, deux, trois, quatre et cinq. Une maille, deux mailles à l'envers, une, deux. Une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers. Cinq mailles ensemble. Trois, quatre et cinq. 4 et 5. Deux mailles à l'envers, une et deux, une maille à l'endroit, cinq mailles à deux mailles à l'envers, une, deux, cinq mailles ensemble, 1, 2, 3, 4 et 5. Deux mailles à l'envers, une, deux, une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers. Hop, et ma maille lisière. Voilà, le motif, il est terminé. Une fois qu'on a fini le motif, on tourne notre travail et on fait un rang tout à l'endroit. Hop, tout à l'endroit. Zip. Donc, toujours maille lisière. Et là, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. On va continuer à faire tout à l'endroit. J'ai obtenu deux barres, donc ça veut dire quatre rangs, je crois. Trois rangs. Vu qu'on commence sur l'envers du travail, hein, là ça nous va faire, ça va nous. Ah, bon. Fin de journée. On n'en peut plus. Je répète, comme on commence sur l'envers du travail, ça va nous faire déjà la première barre. Donc, si j'en fais deux autres rangs, ça nous fera déjà deux barres. Voilà, on fait encore deux rangs. Donc en tout, ça fera trois rangs tout à l'endroit. Hop, trois rangs tout à l'endroit. Hop. Et on se retrouve. Donc, en fait, c'est pas 3, mais 4 rangs. Là, je suis sur l'envers de mon travail. Voilà, j'ai une, deux. J'ai fait 4 rangs. Et du coup, mon cinquième rang, on rabat. Il n'y aura plus qu'à faire la couture. Et c'est fini. Du coup, hop. Alors, laissez un peu de fil pour la couture. Donc, hop, je vois plus rien. Hop, je tricote deux mailles à l'endroit, j'en passe une par-dessus. Hop, je tricote, après je la passe par-dessus.
Et n'oubliez pas de laisser du fil pour la couture. On se retrouve. Alors, du coup, il est sur l'envers. Je vais dans le petit V en haut et le petit V ici pour bien consolider. Et ici, hop, j'ai une boule, hop, et une boule. Une boule. Oui, moi, si je suis pas dans l'écran, vous n'allez pas voir grand-chose, hein, non plus. Magnifique, magnifique Virginie. Hop. Hop. Comme mes mailles lisières, je les ai pas fait comme d'habitude, du coup, ça me forme des petites boules. Du coup, ça va me permettre de m'aider pour la couture. Faites bien attention ici, hein. Vous arrivez bien en même temps, hop, qu'il n'y a pas de décalage. Je suis au mousse. Là, j'ai le point mousse et le point mousse. Et je continue. Et ici, le V avec le petit V d'en face. Voilà. Je tire un peu. Ici, je repasse dans le V. Mon fil ici, du coup, je fais un nœud pour finir. Pour être sûr. Qui va pas partir. Et là, hop, je prends le V, hop, et je mets le V en face. Et je profite en même temps pour coincer. Donc je passe en dessous mon fil qui est ici, ce qui va me permettre de cacher mon fil en même temps. Au lieu de reprendre une aiguille et de venir le cacher dans ma couture. Donc je fais deux en un. Hop. Mon fil, parce que il n'y a pas besoin de dépasser, hein, vu que le but, hein, c'est de le cacher. Hop.
sais pas si j'étais vraiment dans le cadran là pour la fin. Hop. Hop. Et je vais cacher mon fil aussi. Hop. Hop. Voilà. Vous pouvez très bien recoudre dans l'autre sens et garder ce motif-là. Ça vous fait un deuxième chausson, sauf que là, comme on a fait la couture ici, hop. Vous faites dans l'autre sens, hop. Hop. Alors, ce qu'il faut pas oublier, c'est une botte, c'est quand même du 12 mois. Pas oublier que la petite botte, le petit chausson, il est très haut, donc ça veut dire qu'il monte sur les mollets de bébé et les mollets sont beaucoup plus gros que les chevilles. Il y en a sûrement qui vont me dire oui, mais il est trop lâche, mais il faut pas oublier que les mollets, c'est beaucoup plus large que les chevilles. D'accord? Si, au cas où, ça, vous trouvez que c'est trop lâche, vous faites un petit cordon comme ici. J'étais en train de regarder où j'ai mis mon autre. Ah oui. Hop. Un cordon. Pas besoin de faire les petits trous-trous parce que au final, si vous voyez ici, on a les motifs. Hop. Dans le motif ici, on a les trous. Voyez, hop, pour celles qui vont trouver à dire que c'est trop détendu à leur goût. Après, on tricote pas toutes de la même manière non plus, mais si elles veulent un peu plus de maintien, on peut rajouter le petit cordon. Je vous avais expliqué comment je l'avais fait celui-là sur pour le bonnet en fait. Parce que c'était pour le bonnet qu'on avait besoin du petit cordon. Hop, et hop. J'ai peut-être pas trop centré ici. Oh, mais nickel. Donc, vous pouvez rajouter un petit ruban ou un petit hop. Voilà, comme il n'y a pas le, parce que dans sur l'autre j'ai mis le pied dedans, hop, c'est un petit pied traficoté en système des maisons où j'essaye d'en trouver sur le net. Et bon, là, c'est un petit pied que j'utilise, moi, pour faire du 3 mois. Donc, oui, bah, de toute façon, ça revient au même. Hein. Hop. Ça revient un peu au même. Un peu plus de maintien. Enfin, un peu plus de maintien, quand même. Hop. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne.
au niveau du petit chausson. Hop. J'espère que le tuto vous aura plu et que donc là j'ai fait vraiment la vidéo de A à Z, tout le chausson. J'ai pratiquement tout fait avec vous. Donc là, on peut pas dire que il y a un truc que vous comprenez pas. Je le fais vraiment tout de A à Z. J'ai vraiment pris le temps de tout filmer pour être sûr déjà d'avoir ici donc la semelle déjà pour commencer. Après le dessus pour qu'il soit correct aussi et que c'est bien compris. Donc je le tricote vraiment tout avec vous. Plus les trois motifs. Là, il est complet de chez complet. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.